Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, on a pas mal de surprises à déballer et on commence par celle-ci. Squishy Surprises. Et nous avons un petit nounours, licorne, tout en rose. Mosh Mosh. Nous avons un petit bonhomme vert ici. On dirait une pieuvre. Et là, transparent. Bien mou et extensible. Docteur la peluche. On a une mallette médicale. Ah, apparemment, on a deux figurines, donc ça, c'est bien. On a Kaline ici. Et là, on dirait un petit hérisson. On va voir comment elle s'appelle, Snugs. Dorables de Disney. Ce sont des petites figurines qui se cachent derrière des portes. Apparemment, on en a deux ici. Les voici. Donc la première, c'est Alien Stitch. Et la deuxième, Oaken de Frozen. Peppa Pig avec sa maison. Et le toit vert. Et nous avons dedans une petite figurine du frère de Peppa qui s'appelle George. Pick Me Pops Surprise. Ah, on a plein de confettis. Et il faut pousser pour faire sortir la surprise. Et c'est une petite peluche qui sent super bon la fraise. On dirait que ça sent le chewing-gum à la fraise. Si vous connaissez le parfum, ça sent hyper bon. Party Pop Teenies. Ça se présente un peu comme la dernière surprise. Là, on a des instructions. Ah, il faut pas l'ouvrir, je crois, tout de suite, en bas. Il faut tourner, et voilà. Et on a une jolie poupée que voici. Et je crois que ses accessoires sont en dessous. Elle a une assiette avec un cupcake et une petite couronne. Lost Kitties. Ce sont des chats qui se cachent dans de la pâte à modeler et ça se présente dans des pots de yaourt. Là, on a de la pâte rose. Avec les accessoires, donuts et café peut-être. Et c'est de la pâte de très très bonne qualité, je le dis toujours parce que c'est vrai. Et là nous avons notre chat qui est en train de se régaler. Avec son autocollant. Num Nums, Dippers. Dans ces surprises, il y a du slime. On a d'abord deux figurines dans des sachets. Voici la première. Je me demande ce que c'est, tiens.
et la deuxième avec de belles couleurs. Et là, nous avons notre pot de slime dans lequel il devrait y avoir une troisième petite figurine. Et oui, on la voit ici. Je crois que c'est une petite céréale. Ou un fruit, peut-être. Et voici nos trois surprises. Poopsie Slime Surprise. On a la nourriture de licorne. C'est le premier sachet. La poudre magique. Le parfum. La cuillère et le reste à l'intérieur. 1, 2 et 3 sachets. Voici la bouteille. C'est en fait une tasse de café, d'un café très populaire, je suis sûre que vous le connaissez. Le verre mesureur, le porte-clés Poopsie, on dirait une petite vache. Et la cuillère pour mélanger tout ça. Et n'oublions pas, bien sûr, le parfum pour que le slime sente bon. On va mettre 15 ml d'eau deux fois, donc ça fait 30 ml. Ensuite, on va mettre le parfum, quelques gouttes. On mélange. Ça sent très très bon. Et ensuite, on met la nourriture de licorne. Tout le sachet. Regardez comme c'est tout rouge, bordeaux plutôt. Et on va bien secouer tout ça pendant une minute. Et maintenant, on laisse reposer. Orbeez. Donc là, nous avons des perles d'eau à l'intérieur desquelles se trouve une surprise. On ne peut pas la voir maintenant parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Là, on a une petite clé avec la brochure, avec toutes les surprises qu'on peut trouver. Ce sont de petites figurines. Donc, on va commencer par mettre de l'eau. Par cette petite ouverture juste là. Et on commence à voir la surprise. On va mettre la clé au-dessus et on va faire tourner la petite figurine. Et là, on voit que c'est un éléphant. On dirait un éléphant ou un petit cochon avec des ailes. Maintenant, on va sortir la figurine, c'est très facile à faire. Tout doucement. Et la voici. On va remettre tout ça, refermer.
Et en dessous, on a un petit socle sur lequel on peut mettre la figurine. On continue avec Mighty Beans. Ce sont des haricots aimantés qui ont des têtes très marrantes. Donc voilà comment ça se présente. Il faut enlever le dôme qui est au-dessus. Et nous avons notre premier haricot ici. Il a l'air en panique. Et il a du mal à tenir en place. Lisez bien avant d'ouvrir. Donc là, il faut enlever tout l'emballage. Ensuite, il faut taper bien fort dessus. Et attendre que ça explose. Waouh, c'était super rapide. Là, on a un sachet avec des têtes de haricots dessus. Je me demande ce qu'il y a dedans. Hein? C'est bizarre. Un sachet qui est bien froid. Plus on le touche et plus il est froid. Bizarre. On va mettre tous les haricots là. On va refermer la boîte et on pourra s'en servir pour garder les haricots car on en a pas mal ici. Alors voici les quatre premiers et chaque haricot derrière a un numéro et un nom. Et là, nous avons les quatre autres, donc il y en a 8 en tout. On va voir maintenant comment ils bougent. Donc il suffit de les pousser. Et comme ils sont aimantés, ils veulent toujours se mettre debout. Poupée LOL Makeover. Donc ce sont des poupées LOL, voici le message, qui ont des cheveux. Et les autocollants. Là on a le miroir. Et j'espère qu'on n'aura pas de doublons, car on en a déjà ouvertes quelques-unes. Cliquez sur le i pour les voir. Et ça, c'est génial, car je ne crois pas l'avoir ouverte, celle-là. Et oui, c'est une nouvelle poupée LOL Makeover. Super! Elle est très belle. Génial. Et regardez sa petite queue de cheval. Elle a des bottes roses, un serre-tête, un petit ensemble
Sa bouteille est toute mignonne, comme elle. Et elle a un peigne blanc. On va d'abord la plonger dans l'eau. Et elle change de couleur comme la plupart des makeovers. Et la voici toute habillée. Elle a l'air de beaucoup aimer le rose. Et elle s'appelle Snow Bunny de Chill Out Club. Il est temps de voir à quoi ressemble notre Poopsie Slime. Donc là, nous avons du slime bordeaux, un peu visqueux. On va le travailler un peu. Et on va rajouter de la poudre magique. Très belle couleur. Mettez un like si vous avez bien aimé cette vidéo et si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça où j'ouvre plein de surprises. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.